Et hey yo tout le monde, c'est DracoSab et c'est sur cette douce musique de Final Fantasy 1, sur ce cinquième épisode, qu'on va se retrouver. Bon, je vais baisser un peu le son. Non, c'est bon. Alors oui, j'ai fait XP, c'est assez space, je suis niveau 18. Pour avoir cette somme d'argent, 17 325 Jill. Bon, ça veut dire que du coup, on est ici. Donc j'ai vu qu'il y avait des sorts, principalement pour le mage. En fait, mon mage rouge, c'est con, mais il faudrait qu'il ait... En fait, on a 8 niveaux de magie. Vous voyez? Et là, mon mage, voilà, j'ai glacé niveau 2. Voilà, et j'ai vu qu'on avait accès au sort niveau 4. Rappelez-vous, dans la dernière vidéo, on pouvait avoir accès au sort niveau 4. On va s'en acheter. Alors là, niveau 3, on est d'accord qu'on a acheté ce qu'il fallait, non? Ou pas? Brasier plus plus, brasier plus plus, c'est juste le plus. Ouais, donc ça on les a, très bien. Mais en fait, quand on va ici, on a accès à plus. Alors là, la magie blanche, bon, soin plus, on peut, parce que le soin plus c'est important. Je l'ai déjà. Je l'ai déjà, ok, c'est pour ça, très bien. Ok, Lumen plus, bon voilà. Bon, on va pas. Moi, ce que je veux, c'est vraiment l'offense. Donc, j'ai vu qu'il y avait l'équivalent pour la magie noire, mais en niveau 4. Alors là, c'est de la magie blanche, vous voyez. Soit ça soigne le poison. Ça, c'est pas mal en vrai. Hein. Parce que, en vrai, je me dis que le poison, ça peut être chiant. Fait fuir les ennemis. Ça, je vais me le prendre en vrai. Voilà, ça coûte cher. Mais nous, ce qu'on veut, c'est vraiment la magie noire. Ici. Et alors là, les gars. Glacier niveau 4. Inflige folie aux ennemis. Endort profondément un ennemi. Je suis chaud de le mettre. Voilà, et là, on est bien. Et là, est-ce qu'on pourrait s'équiper? Bon, là j'avais acheté des objets en stock 26, en stock 4, soigne les fossiles. Bon, voilà. Ok. De toute façon, j'ai envie de vous dire, voilà, c'est important de se faire des pleins à chaque fois. Brassard de cuivre, j'avais déjà mis, non? Équipé 2, voilà. C'est bien fait. Bon, là ils sont équipés. Là, clairement, on n'a pas besoin. Donc là, il faut simplement... qu'on retourne, bah du coup, redonner la couronne au fort à l'ouest. Je sais plus trop où. Bon. Donc là, ouais, on va quitter Elphia, s'il te plaît. Et il faut qu'on aille. Alors, je sais plus du tout où c'est. Hein. De toute façon, là, on va juste les taper. Vous allez voir les dégâts qu'on met. C'est limite du OS. Tellement on a fait XP. Là, c'est plus un souci. Hein. Là, clairement, les gens... Bon, la question par contre c'est, je ne sais plus où c'est. Mouais. Je sais vraiment plus où c'est. On va être overlevel à force d'XP. Hein. Je sais plus où c'est. On va prendre le bateau. C'est plus rapide en bateau. C'est stylé la musique, hein. En fait, juste, c'est lent. Allez, c'est facile, ça. Une tarentule, ça va rien me faire. On est tellement overlevel, c'est incroyable.
C'est là. Château Delphia, non. Non, c'est peut-être là en vrai. Hein. Qui c'est? J'ai un gros doute. On n'a pas la clé mystique. Oh. Ah, c'est pas elle. Donc c'est pas là qu'il faut aller. Il faut aller ailleurs, je m'en souviens. Je m'en souviens très très bien. Mais j'ai paumé l'endroit. Je sais où c'est. Je sais forcément là-bas. Embuscade. Bon allez, on va accélérer ça. Voilà, j'accélère le combat parce qu'en vrai, au bout d'un moment, si c'est du combat pour être du combat, voilà, c'est assez simple. C'est là, hein. Non? On a combien de gils? Oh, ça va, ça monte, hein. Oui, c'est là. Un revenant. On affrontait un revenant, les gens. Mais non, c'est pas là. Où est-ce que je vais, là? Au pire, on a une map, non? Voilà, le Fort Westilou. La main, c'est une position actuelle. Ok, on est ici, d'accord? Et le Fort West, il est juste en haut. Très bien. C'est bon, tranquille les gens. On est juste trop fort en fait avec nos champions. Ça le fait, hein, ça le fait de fou. Franchement, la map, je l'ai comprise. Autant je l'avais pas comprise, mais en fait, il faut valider pour que la main nous indique la position que l'on souhaite. Et ça, je l'avais pas capté, en fait. C'est pour ça que je comprenais pas, en fait. Mais très bien. Allez. Je pourrais peut-être vous montrer un peu l'animation des... Mais pendant le boss, si on a un boss affronté, je vous affronte. Montrerai les magies niveau 4 et tout. Soyez-en certains. Ce n'est pas un problème. Embuscade, c'est un peu chiant d'ailleurs. Moins 15 quand même. Hein. Le mage il prend cher. Ok. Bah tiens, c'est le moment d'ailleurs. Alors sérum, ça semaine le poison. Voilà. Le glacier, hein, clairement. Vous voulez le voir. Vous voulez le voir au fond, avouez. C'est magnifique, hein. Waouh. Le mage rouge qui fait la diff. C'est bon, c'est là. On l'a trouvé. Alors, on va peut-être soigner, on sait jamais, non? On a de la magie. On sait jamais ce qui peut se passer en vrai. Voilà, on a des points de mana encore. Franchement, au niveau points de magie, on n'est pas à plaindre. Voilà, là on est bien. Allez. Moua, moua, ha, ha, ha. Vous êtes tombé dans mon piège. Ah, l'enculé. Je suis Astos, le roi des elfes noirs, c'est lui. Oh, c'est stylé. En combinant les pouvoirs de la couronne que vous m'avez apportée et de mon œil de cristal, je vais devenir le vrai roi des elfes. Inutile de résister. Je reprendrai mon dû. Par la force, s'il le faut. Alors.
On va l'endormir. Quoi? Il m'a OS. Mais tu m'as OS, connard. Il m'a OS. Il m'a OS, le gamin. Alors attendez, on va effectuer ça. J'aime bien la musique. Ok. Bon, ça va. Il est pas si tanky que ça, mais il fait mal. Oh, on a gagné 572 XP. 2000 gil. C'est bien. Eh ben, ouf. Vous obtenez l'œil de cristal et du coup va falloir le remettre à... Ok. La tanière de Matoya. Très bien. J'imagine. Hein. On va faire un tour à... Oh, la musique elle est trop stylée. On va revenir du coup à l'endroit où on était. Magie. Voilà, ça devrait suffire. Écoutez, on s'est fait un petit boss. En tout cas, on s'est fait trahir par le roi des elfes noirs. Si j'avais su ça. Et voilà, donc j'ai connu la mort, Sabri, j'ai connu la mort, mais Jinx m'a réanimé, il m'a aidé à me heal. Et Eric et Pierrot ont tapé pour me couvrir. Ils ont fait le taf. Bah, Jinx monte d'un niveau, parfait. Allez, là on va attaquer. Donc voilà, c'est ça Final Fantasy, c'est beaucoup de combats comme ça. Bon, les premiers sont comme ça, après forcément... Les graphismes évolueront, hein. Il faut se dire qu'à l'époque, c'était de la Game Boy Advance, c'était comme ça, bon. Voilà, on est ok, hein. En train d'OS un ogre. C'est juste débile. Là, je vais juste aller me soigner à Elfia et après je reprends la route. Hein. Voilà. Combien de thunes en vrai? Ça va. Parfait, on y est. Allez, courage. Je pense que mon équipe elle est vachement équilibrée en vrai. En vrai, vous pouvez prendre un mage blanc et un mage noir, mais le mage rouge fait les deux. Alors évidemment moins de dégâts, mais franchement c'est pour moi ça me suffit. Puis si ça rajoute un peu de difficulté, tant mieux. Oh, Pierrot fait tellement mal avec son nunchaku amélioré. J'ai fait un pas. Hein. Oh, l'arme que j'ai aussi. Voilà.
Parfait. Cool. Ok, du coup là on va... Alors, B select. Voilà, carte. Donc là on est ici et nous, là où on veut aller, c'est... La tanière Matouya. Je pense qu'il faut qu'on prenne le bateau. Excusez-moi. Alors, du coup, on est... Ok, donc on est là, il faut aller en haut. Très, très bien. Ça veut dire qu'il faut qu'on prenne le bateau. S'il y a un bateau, on le prend. Voilà, parfait. On imagine qu'il... Ok, donc je vois... Ce serait bien qu'on puisse le rendre l'œil. L'avantage, c'est que le bateau est là. De toute façon, si on est... Si on a un problème sur la map... Ah... Allez, des créatures aquatiques, parfait. Il va me paralyser. Il a raté. Très bien. On va aller au S. Hein. Oh, les dégâts de Pierrot. Alors, bouton select. Ok, donc on est ici. Position actuelle. Et là où on veut aller, c'est ici. Donc faut quand même aller assez loin. Faut trouver un port où se poser déjà. Là, je pense qu'on s'y approche. Alors, bouton B select. Ok, on est ici. Et la tanière de Matouya. Ouais, c'est ça. Elle est pas loin. Très bien. Bon, là, on a des ennemis assez simples à battre. C'est assez simple. Voilà. Bon, alors évidemment, FF, c'est un peu rébarbatif avec les combats qu'on a à faire, mais tranquille. Je vois pas où il faut aller, par contre. Je sais pas où il faut aller, par contre. Pour aller à cette tanière, pour lui rendre son œil de cristal. S'il te plaît. Ouais, je veux bien, mais... Le problème, c'est que... Les gars... Bon, alors, on fait ça en deux spies. Il y a trop de loups. Il y avait trop de loups, les gars. Désolé. Hein. Ah, fallait se poser là, peut-être. Je pense qu'il fallait se poser là. Je pense, hein. À mon avis. Après, je suis pas sûr. Mais on a plus de chance en le prenant de là-bas que d'ici. Putain, il m'enlève rien avec les armures que j'ai, c'est incroyable. Par contre, le boss, il m'a quand même... Astos, il m'a quand même one-shot, hein. Il m'a one-shot mon... Bah, sabri, quoi, mon guerrier, quoi. C'est pas là. Là, c'est Cornelia, du coup. Donc, nous, on veut aller à la tanière de Matouya. Oh, dommage qu'il n'y ait pas de repousse. Hein. C'était pas là, hein. J'ai un doute. Le pont, non, c'était. Si, on peut emprunter le pont. Hein. Ouais, ouais, on peut l'emprunter très clairement. Hein. Je pense qu'on peut l'emprunter, le pont. On verra bien. Enfin, j'aime bien voir l'animation du Nunchaku de Pierrot, là. C'est giga stylé. Bon, des gobelins, j'ai envie de vous dire, au bout d'un moment... Please. Elle est en haut, c'est bon. On y est. Embuscade. Très bien.
Si tu veux, tu me tueras pas, mais ok. Allez. Ah, quand même, les dégâts qu'on met. Vous avez l'avantage. Cobra. Stylé quand même, les cobras. Hein. Ça y est, on y est. J'ai 15 000. Allez. Eh ben, ça fut laborieux. Voici ton œil de cristal, toi, ma vieille. Qu'avez-vous là? Mais c'est mon œil de cristal. Donnez-le-moi. Rassurez-vous, j'ai quelque chose à vous offrir en échange. Prenez cette préparation. C'est la plus étonnante de toute ma collection. Vous obtenez un sel médicinal. Je sais pas à quoi ça sert, mais ok. Hurrah, je vois à nouveau, je vois. Ouais. Mais tu... ça va ou quoi? Par contre, il faut faire quoi là? On va classer nos objets. J'ai du sel médicinal. Je vais équiper vite fait pour voir s'ils sont petits mal. Ouais, c'est optimal. Hein. Mais par contre, il faut que j'aille où? Il te dit pas l'objectif à faire? Le point jaune, c'est quoi? C'est pas là où il faut aller par hasard? On dirait, hein. Si, je crois bien. Ok, donc on a eu du sel médicinal, je sais pas à quoi ça sert. Oh, j'ai une idée. Je suis sûr qu'il faut retourner au Fort Pravoca, là où il y a la fille malade. Enfin, la princesse ou le prince, je sais plus trop quoi. Pour le mettre en bon état avec l'objet qu'on a eu. Si c'est... Et sans solution, hein. Si c'est le cas. Parce que pour moi... Regardez. Fort Pravoca. Ok, Fort West. Ouais, je sais pas. Bah écoutez, on va voir. On va checker les villes. De toute façon... J'ai envie de vous dire, c'est forcément... L'un des deux, je pense. Ok. Ok. Deux loups sauvages, un loup et un garde gobelin. Ils font tellement pas de dégâts. C'est incroyable. Nice. C'est une blague. J'ai fait un pas, frérot. Allez bien. Je dois pas retourner à Cornelia quand même. Si? Je pense pas, hein. On verra bien, écoutez. Mais moi je pense qu'il fallait au Fort Pravoca. Là c'est Cornelia ici. De toute façon le bateau il est là, donc au pire des cas. Oh, c'est pas ici. Très bien. Non, c'est pas là. Très bien, je vois où on est. Faut se poser. Bon, ma go. Sawagin, on en a 6 à battre. Eric prend quand même 15 dégâts. Hein. Ouais. Allez.
J'aime bien la musique. Je kiffe trop la musique, c'est abusé. Ok. Il est où ce Fort West? Il va falloir marcher un petit peu quand même. Je vois très bien où on est. Bah écoutez, on va faire ça et je pense qu'on va... On va accélérer quand même, allez. Parce qu'au bout d'un moment, bon... Bah écoutez, on est ici. On va checker si c'est pas ici par hasard. Je ne pense pas. C'est là. Non? Eh oui. Ce sel pourrait... J'ai trop fort les gars. Ce sel pourrait bien être le seul remède capable de dissiper le maléfice qui pèse sur le prince. Excellent. Votre Altesse? Votre Altesse? J'ai fait un terrible cauchemar. Suis-je encore en train de rêver? Vous êtes les guerriers de la légende? Alors tout ceci n'est pas un rêve. Ainsi, la prophétie de mes ancêtres va bel et bien s'accomplir. Je vais pouvoir rendre la clé mystique à ses propriétaires légitimes. On a la clé, ça veut dire qu'en gros il y a plein de lieux à explorer. Wow. Mais vous me dites pas où il faut aller? Bah, on a ramené la paix à Elfia, bah écoutez. Écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on va se quitter là. Je vais regarder ce qu'il faut faire pour la prochaine fois. Franchement, on a battu Astos, on a rendu son œil de cristal à Matoya, et on a eu... Du coup, la clé mystique qui nous permet d'ouvrir masse porte. Moi, je pense qu'il y a forcément un truc à faire là-bas. À l'endroit où il y avait trois sous-sols, là où on a récupéré la couronne, il y avait des portes qui étaient ouvertes dans les villes avec la clé mystique. Ouais, très clairement, il y a de quoi faire. Du coup, je vous dis, merci d'avoir regardé le cinquième épisode. On se retrouve très vite pour l'épisode numéro 6 de Final Fantasy 1. Portez-vous bien, je vais sauvegarder devant vous comme ça, voilà. Parce qu'il s'en est passé des choses. Allez, bye tout le monde.